Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que j'aime beaucoup, beaucoup regarder sur YouTube. C'est les vidéos où en fait les personnes montrent ce qu'elles ont prévu d'envoyer aux gens. C'est pas des tutos parce qu'il n'y a aucune explication de comment on a fait. Mais c'est vraiment juste montrer qu'est-ce qu'on a mis. Je vais passer vite sur 4 enveloppes. Une enveloppe, celle-ci, que vous reconnaissez sûrement, c'est l'enveloppe du défi du mois de février. Je vous mettrai la vidéo dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vous présente le défi, je vais vous faire un tuto avec les produits que j'ai décidé d'envoyer aux personnes à qui je proposais le défi. Et ces 3 envois-là, il s'agit d'enveloppes faites maison. Et c'est un envoi sur le thème du swap non anniversaire que j'ai trouvé sur un compte Facebook, Instagram. Et à l'intérieur, ce sont mes cartes pop-up que j'ai faites en vidéo aussi. Je vous mettrai pareil dans le petit i la vidéo tuto puisque j'ai fait un tuto là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos si vous vous demandez de quoi il s'agit. Mais elles sont déjà fermées et en fait, elles attendent de partir depuis belle lurette. Ensuite, à Nathalie M, une enveloppe, c'est pour l'échange thème de la carte Flip Gorgeous. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est la toute première carte Flip que je réalise, donc je suis plutôt fière de ma petite création. C'est assez drôle parce que j'ai dû couper parce que j'ai dit son nom de famille. Nathalie, on s'est retrouvés à faire 2 échanges ensemble. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'était une carte avec un marque-page à l'intérieur. Et là, donc, la carte flip. Donc, c'est à chaque fois des cartes, des créations de cartes assez originales. Donc, j'aime bien. Et c'était sur le thème Gorgeous. En plus de ça, je lui ai glissé un petit paquet de découpes. C'est pas énorme, il doit y en avoir une petite quinzaine, même pas. Mais c'est juste histoire de dire qu'il y a un petit peu plus avec. Je lui ai mis un ATC Gorgeous que j'avais fait en vidéo avec vous. Donc je vous mettrai... Je sais pas si je l'avais fait en vidéo. Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Bref. Si jamais je l'ai fait en vidéo, je vous le mettrai quelque part. Sinon, on oublie. Et dans le magazine Flow, il y a quelques mois, j'avais reçu une quinzaine, voire une vingtaine de cartes comme ça. Donc c'est des cartes toutes faites très jolies. Donc là c'est des citations, mais il y en a d'autres avec des décors plus. Il y en a même certaines avec voilà, de la forêt comme ça, enfin un paysage de neige. J'aime beaucoup et du coup je lui ai écrit un petit mot au dos. Et voilà, puisque la carte flip, j'aurais pu faire un endroit au dos où on allait pouvoir y glisser un petit mot. Mais je l'ai pas faite comme ça, voilà. Donc j'ai préféré lui faire un mot à part. Vous allez voir que la plupart du temps, de toute façon, je fais des mots à part. C'est très rare que j'écrive dans les cartes quand je réalise une carte. Parce que je me dis que la personne, elle peut vouloir l'utiliser pour l'envoyer à quelqu'un d'autre. Moi, une fois dans un échange, j'avais fait ça. J'avais récupéré la carte quelqu'un d'autre m'avait envoyée dans un échange. Et j'avais trouvé ça trop cool, en fait, de juste être l'intermédiaire entre 2 personnes. C'est trop chouette. Donc ça, c'est premier envoi. Ensuite, ici, on a un colis qui va partir pour Florence, je crois. Flo, en tout cas, sur Facebook. Il s'agit d'un Happy Mail printanier. Je suis grave à la bourre. Je devais l'envoyer il y a bien longtemps maintenant, mais bon. Je vous ai fait le tuto de la pochette. Je vous le mettrai dans le petit ou dans la barre d'infos. Hein, si jamais c'est pas dans le i parce que j'ai pas trouvé où mettre le i, ça sera dans la barre d'infos. On a du coup la pochette et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans la pochette du haut, la pochette centrale, j'y ai mis sur du papier, enfin du rhodoïde comme ça, 2 petits embellissements fanion, fait maison. Je lui ai glissé des stickers Lama de chez Action que j'ai acheté sur Vinted et que je lui transmets. Ça c'est une petite carte, donc moi j'aime bien faire dans mes échanges comme ça souvent des cartes où en fait c'est des tags. Je crée un tag sur avec ma punchboard et je le décore un peu. Là j'ai mis quelques chipboards, voilà, et au dos j'écris un petit mot comme ça, ça fait le petit mot du colis. Ici des fleurs en papier, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai fait, je pense, une 60aine de fleurs en papier comme ça
pour avoir de l'avance, parce que voilà, je veux avoir de l'avance sur mes embellissements. Et du coup, je lui en ai mis 6. Et ensuite, on ouvre pour avoir accès aux pochettes intérieures. Et d'ailleurs, je viens de réaliser que je ne lui avais pas mis de T. Je vais m'empresser de le faire. À l'intérieur de la pochette ici, nous avons des embellissements maison, encore une fois, avec des petits tickets que j'ai fait en vidéo. Vous allez bientôt avoir la vidéo. Un die-cut de chez Action. Et de l'autre côté, on a une pochette avec des découpes. Si jamais certaines et certains d'entre vous reconnaissent des découpes ou des stickers ou des choses comme ça qu'ils m'ont envoyé, j'avoue que si j'estime, je trouve que c'est pas mon style ou que j'en ai beaucoup trop, parce qu'il y a des fois où on envoie voilà, des découpes qui sont très classiques, et moi, enfin, il y a des découpes, franchement, enfin, j'en ai mais des centaines en fait, et vous vous rendez pas compte, mais ça prend une place folle. Enfin, j'espère que vous vous rendez compte, parce que vous aussi ça vous arrive, mais ça prend une place folle en fait. Et je préfère ben juste mettre un petit peu plus enfin, mettre dans mes envois des embellissements, des découpes faites par d'autres personnes, parce que je sais que je vais pas m'en servir, plutôt que de stocker à vie en fait des découpes qui ne me servent pas. Et enfin, je sais pas, je trouve ça bête. Après, évidemment que je m'amuse pas à quand on m'offre quelque chose, genre une pochette de stickers. Ah non, c'est moche, je le passe à quelqu'un d'autre. Non, en fait, je le garde. Ce dont je parle, c'est vraiment les découpes. Les découpes, j'avoue, si jamais ça ne me plaît pas, et généralement je le fais pas direct, je les garde. Et si jamais je vois que quelques semaines, quelques mois après, je m'en sers vraiment pas, que j'ai pas d'idée, que j'ai pas, voilà, ben à ce moment-là, je les passe à quelqu'un d'autre. Mais c'est assez rare, hein. Mais de temps en temps, vous allez peut-être tilter et dire, tiens, ça ressemble à un truc que je lui ai envoyé. Et j'essaye évidemment de pas renvoyer à quelqu'un qui me l'a envoyé, hein. C'est un peu bête sinon. Voilà pour ce Happy Mail. Dans un envoi comme ça, une petite pochette pour un échange d'ATC. Donc j'ai enroulé dans du ruban comme ça. Ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur de chaque paravent, en fait, il y a un ATC. J'arrive pas à le sortir. Voilà. Donc, premier ATC pour ma petite Rogeria. Rogeria, c'est une personne avec qui je m'entends assez bien. On a fait plusieurs échanges ensemble. On est retombé ensemble sur un échange. J'avoue que, comme je l'ai dit, en fait, je préfère favoriser le peu de quantité mais jolie que lui faire un truc à la va-vite, voilà, pour lui en mettre plein mais que ça soit pas hyper ouf. Donc j'ai essayé un peu de faire un truc sympa. Je lui ai mis une petite carte. Ça, c'est une pochette dans laquelle j'ai mis des découpes. C'est des découpes sympas et j'ai préféré lui mettre peu de découpes, mais savoir que c'est des découpes qui vont lui plaire parce que c'est des teintes qui lui plaisent, etc., qui sont dans son style, c'est des formes qui sont dans son style, que de lui foutre 20 000 découpes mais qu'il n'y en ait pas une seule qui lui plaise, quoi. Et ces petites pochettes cartonnées là, je les ai reçues dans un lot de concours de Cricri Scrap 24. Je crois. J'ai toujours un doute sur ton pseudo, je suis désolée. Navrée pour cette petite interruption. Je disais donc que je lui ai fait ce petit flipbook comme ça, avec à l'intérieur des embellissements. Je crois que notre échange c'était embellissement ou bien c'était échange libre. Vous allez comprendre pourquoi je dis je crois. Parce qu'en fait j'ai réalisé exactement le même album pour les deux. Pour l'échange embellissement et pour l'échange libre. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et qu'il y a eu un petit souci sur le groupe Facebook sur lequel j'ai réalisé ces échanges-là. Et en fait, j'ai été mise d'office sur tous les échanges. Donc en fait, on m'a inscrite sans me demander ma permission. En fait, je me suis proposée pour réaliser. Pourquoi je suis si sombre? Je me suis proposée pour. Ré... Pardon. Donc en fait, je me suis proposée pour réaliser des vidéos sur YouTube pour ce groupe Facebook. Et on en a, je pense, déduit que du coup, je participais, vraiment, je faisais tous les échanges. Alors que pas du tout. Je peux très bien décider de faire une vidéo sur les ATC, expliquer ce que c'est que les ATC, sans pour autant vouloir faire un échange sur les ATC. Mais bon, c'est un autre débat. Du coup, j'ai pas voulu me prendre la tête, vu que j'ai eu d'un seul coup 6 échanges qui se sont rajoutés. J'ai préféré favoriser le simple et le rapide, surtout que je vous ai filmé un tuto, donc comme ça, j'avais un exemple et... Et
le produit fini et un à faire en tuto. Donc il s'agit de ce petit album là, ça c'est une shaker, et à l'intérieur on a, j'espère que ça va pas se casser la gueule, donc là je lui ai mis un petit mot, là ces deux fleurs elles se détachent, ici on a, ça c'est sur du rhodoïde comme sur l'autre échange, avec des embellissements comme celui-ci, comme ceci. Et je fais un petit clin d'œil puisqu'en fait le bonhomme qu'elle a, c'est un bonhomme qu'elle m'a envoyé en tamponnage. J'ai trouvé ça sympa de lui faire le petit clin d'œil. Là on a du coup des rosaces, une fleur, une enveloppe décorée, la même chose de ce côté. De ce côté, vous voyez pourquoi je disais que ça allait se casser la gueule. Parce que ça se casse la gueule. Et enfin, deux petits flamants roses et un ATC gorgeous. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour le Happy Mail. Donc comme je disais, hein, j'ai préféré lui mettre peu de choses, mais que ça soit des choses sympas, faites main. Puisqu'on a déjà fait des échanges, donc on sait ce qu'on. On voit un peu plus ce que l'autre aime, ce que l'autre fait comme type de déco, etc. Donc j'ai préféré lui faire ça que lui faire un truc à la va-vite là. Voilà. Ensuite, un échange avec Julie L. Sur une carte shaker. Donc j'ai fait ma carte shaker. Le tuto a été filmé. Il est peut-être, il sera sûrement pas en ligne à ce moment-là. Mais enfin, quand je vais poster cette vidéo, il sera pas en ligne. Mais je vais le poster bientôt. À l'intérieur, j'ai glissé un ATC. Une pochette de découpe. Voilà, pareil, ça c'est que des découpes que j'ai renvoyées parce que moi je m'en servirai pas. Et il y en a quand même certaines que j'ai faites moi. Et mon mot à l'intérieur, là j'ai écrit dans la carte. Voilà, je me suis dit que j'allais écrire dans la carte. Donc voilà. Et enfin, dernier envoi, il s'agit... Oups, j'espère que vous n'avez pas vu l'adresse. Il s'agit de l'envoi pour Cécilia L. Ça c'était un truc de fou. Je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo que j'ai faite blabla, j'ouvrais un courrier au tout début, juste avant d'ouvrir le colis de la fourmi créative, j'ai ouvert une enveloppe où je disais qu'en fait je ne comprenais pas de quel envoi il s'agissait parce que je ne me souvenais même pas d'avoir participé à un échange sur la Saint-Valentin. Et en fait ça fait partie du lot des échanges auxquels on m'a inscrite d'office, sauf que là c'était un envoi surprise. Donc du coup il fallait attendre par message privé que l'on nous envoie l'adresse. Et le truc c'est que la personne qui s'est occupée d'organiser l'échange ne m'a jamais envoyé l'adresse et ne m'a jamais dit que j'étais inscrite sur cet événement. Je n'étais pas au courant que je l'étais inscrite en fait. Donc d'un seul coup j'ai reçu une carte alors que je ne devais pas en recevoir, donc je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Donc j'ai mené ma petite enquête, ça a été assez compliqué, mais j'ai fini par comprendre de quoi on parlait et qu'est-ce que c'était en fait ce délire. Et du coup je lui ai fait une carte à la va-vite, mais bon, enfin, pas tant à la va-vite que ça, mais je lui ai fait une carte rapide pour, voilà, pour rattraper le retard de l'échange, puisque l'échange aura duré 2 mois, l'échange de la Saint-Valentin sera envoyé le 15 mars, hein, aujourd'hui, voilà. Il s'agit d'une carte flip comme ça, pareil, mais cette fois-ci j'ai utilisé des tampons de chez Scrap Didi. Et quand on tourne, ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Je suis très fière de moi d'ailleurs. Ouais, je la trouve très très belle. Donc voilà pour ces petites créations. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura donné des idées pour... je reprends. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. D'ailleurs, j'en profite pour dire l'échange de la carte de la Saint-Valentin, là. Je ne mets pas de découpe dedans parce que la personne qui... Enfin, en fait, j'ai reçu sa carte avant d'envoyer la mienne. Et elle ne m'a pas envoyé de découpe. Donc voilà, je fais la même chose. Si elle m'avait envoyé des découpes, je lui en aurais glissé moi aussi dans l'envoi. Je me dis que c'est un peu logique. Donc voilà pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller finaliser tout ça. Et demain, je vais à la poste. Je vous fais des très gros bisous. Scrapez bien et à bientôt.